Chers amis, bonjour. Comme vous le savez, il ne se passe pas un jour, mais pas un jour où donc une page blanche n'est pas remplie. Et quand j'ai dit une page, c'est le plus souvent 10, 15, 20 pages par jour. On n'est pas au kilo. C'est pas une compétition. Ça veut dire que si vous décidez de faire quelque chose dans votre vie, faites-le. C'est aussi simple que ça. Faites-le. Vous ne posez pas la question, est-ce que je vais arriver, est-ce que je ne vais pas arriver? Faites-le. Vous voulez jouer au ballon? Faites-le. Vous voulez tricoter? Tricotez. Et juste, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie, le temps où vous allez vivre, c'est-à-dire un temps que vous ne connaissez pas? Donc, ça ne sert à rien de faire des projets sur la comète, disant, oui, ben, l'année prochaine, dans 2 ans. Vous descendez de chez vous, il n'y a plus personne. N'importe qui. Vous, moi, l'enfant qui vient de naître. Pourquoi partir avec le moindre regret? On ne sait pas qu'on va partir, mais on sait qu'on partira. Alors, tranquille. D'aller voir quelqu'un, vous dites, tiens, qu'est-ce que tu penses que je vais faire? Qu'est-ce qu'il en sait? Qu'est-ce qu'il en sait? Que vous interrogiez au début vos proches, vos parents, votre famille, bien. 12, 13 ans, pas plus loin. L'âge du discernement. Continuez de poser des questions. On les pose encore aujourd'hui, on les posera toute notre vie. Discernez. Qu'est-ce qui est bien pour vous? Qu'est-ce qui n'est pas bien pour vous? Avec un seul but, le plus simple du monde. Ne pas déranger l'autre, mais pas comme sorte de bobé, hein, ou de babot. De toute façon, j'embête personne, je peux rester dans mon coin. Non. En étant dans le collectif humain, en étant dans la vie, en affrontant absolument tous ces problèmes que l'on a tous ensemble, tous, dès que l'on sort dans la rue, dès que l'on dit le premier mot, dans un seul esprit, être paisible. Paisible, c'est quoi? La paix. Paisible. Pour les salariés, ceux qui ont la chance d'avoir une fiche de paie, parce qu'ils ont donné quelque chose aussi de leur temps, payer. Payer égale paisible. Voilà pourquoi le salaire doit être payé en temps et en heure. Et c'est intéressant dans une émission, quelle qu'elle soit, d'une minute ou d'une heure, c'est de donner la température du jour, dans votre état d'âme, dans votre état d'esprit. Mais chaque jour, dans l'esprit de la paix. Peu importe que l'autre ne la cherche pas, peu importe que l'autre vous cherche des noisettes, même des petites noises, des noisettes. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Passez, passez, passez. Laissez faire, laissez passer. Dans 1 heure, ça sera déjà un autre jour. Ces poèmes que j'écris chaque jour, avec le temps, c'est très simple, hein? Des milliers, il ne s'agit pas de ah, mégalo, mégalo de quoi? Mégalo, c'est je vais faire quelque chose tout à l'heure. Ça, c'est déjà être mégalo. Ce qui est écrit est écrit. Ce qui est fait est fait, ce qui est peint est peint. Ce qui est joué est joué. Ce qui est sculpté est sculpté. En paix. En paix. Vous voyez, certains m'écrivent en disant, Monsieur Lévy, je ne comprends pas tout ce que vous dites. Sincèrement, est-ce que moi je comprends tout ce que je vous raconte? Il y a à la fois de l'humour, parce qu'il y a aussi une façon de raconter petit à petit, fait que, tiens, s'il n'a pas compris, peut-être cette manière de lui dire les choses n'est pas très claire pour lui. Donc, je dis, tiens, il va me donner une autre piste. Mon but, c'est d'aller vers lui pour qu'il comprenne, pour qu'un jour on puisse se parler. Intéressant, ça. Pas bah, de dire, je m'en fous. Mais non, je m'en foutais, vous ne me verriez jamais. Enfin, vous ne m'entendriez jamais. Moi, vous ne me voyez pas. Les psaumes de David, c'est des petites merveilles, c'est des petits diamants.
Bah oui, comme les proverbes de Salomon. Peu importe que ce soit David qui les a écrits, que ce soit Salomon qui les a écrits, parle bien des chiffres arabes. Les Arabes n'ont pas créé les chiffres. Ils n'utilisent même pas les chiffres dits arabes. Et donc, mais ça a été des grands voyageurs. Ça a été des grands mathématiciens. C'est important que les chiffres en partie, soient indiens. En partie, que le zéro de position ait été positionné par les Indiens. Soit. Mais les chiffres, on les a depuis Sumer, depuis Akkad. C'est une chaîne humaine. Mais il y a un moment donné, celui qui fait voyager. Celui qui fera voyager l'œuvre de Lévi, on ne connaîtra même pas Lévi, on connaîtra celui qui l'aura fait voyager. Ben oui. Et quelle importance! Sincèrement, quelle importance! J'ai appris tout ce que j'ai appris, je l'ai appris avec vos pères, vos grands-pères, vos arrière-grands-pères. L'histoire! Les livres, les voyages. Et vous, c'est la même chose. Alors, partage dans la paix. Et on ne se fâchera jamais. Quand je dis jamais, c'est jamais. Pourquoi? Bah, c'est jamais arrivé. Qu'un peut se fâcher, un autre peut se fâcher contre vous, c'est une chose. Mais que vous soyez fâché contre lui, c'est une autre. Jean Cocteau a dit un jour une chose très simple. Il disait à quelqu'un, il fait, tu sais, tu es mon ami. Il dit, mais moi je veux pas être ton ami. Non, non, il dit, tu es mon ami. Moi j'ai choisi que tu allais être mon ami. Il dit, mais je veux pas. Mais t'as rien pour être mon ami. Mais rien, rien du tout. Rien du tout, je veux pas être ton ami. Ah, deux choses l'une, soit Cocteau il lâche. Puis il dit, écoute, ce type est tombé sur la tête, pourquoi je vais être l'ami d'un type qui a pas envie que je sois son ami. Intéressant, je comprends rien à ce qu'il raconte. Enfin, qu'est-ce que j'ai comme temps à perdre avec quelqu'un qui veut pas que je sois son ami? Sa volonté était, écoute, moi j'ai décidé que tu étais mon ami. Maintenant, tu peux toi décider que je ne le suis pas. C'est intéressant comme réflexion. Tu peux pas dire, oh, ça sert à quoi? Mais tout sert à rien à ce moment-là. Quand vous comprendrez que rien c'est le tout, bah, vous comprendrez que tout sert à tout. Et que ça sert pas à rien. Ne me dites pas, vous ne comprenez pas. C'est assez clair parfois. Allez. Poème d'inspiration. Méditation active. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Dans ma solitude, je ne manquerai de rien. Dans sa multitude, il me construit, sans doute, compagnon de ma route, console de ses deux mains, de l'écoute, de la mort, de son appui humain. M'éloigne de toutes les idoles quand il dresse la table en servant ses paroles. Ami, la coupe est pleine, eau vive. Vive clarté, ta maison de lumière sans une obscurité. L'Éternel est mon berger, sa splendeur est ma beauté. Mizmor, les David, Yod et Vav et O Hachem, Ro et Lo A Essar. L'Éternel. Et mon berger, je ne manquerai de rien. Mizmor, les David, Hachem Roé, Lo, Aïssa. Sincèrement, comment est-ce qu'une journée pourrait mal commencer comme ça? La mienne, la vôtre, la nôtre, nos voleurs. Où sont-ils? Où sont-ils? Excellente journée. N'oubliez pas. Tout ça est fait uniquement pour l'amour de l'autre.